Regardez, je vais vous montrer comment. Oh là là, c'est chiant. Je vais vous montrer, regardez. Ma cuve, elle a. Il perd le robinet. Alors je vais essayer de mettre un bouchon. Je vais mettre un bouchon. Je vais essayer. Vous voyez, vous mettez un bouchon comme ça, vous faites un bouchon. Si des fois votre cuve, elle perd, un bouchon comme ça, en attendant de racheter une petite vanne, ben, vous faites un bouchon, ça peut vous servir. Pour les petites cuves, on peut accéder, bien sûr. Pourquoi ça sort tout? On va le faire de ce côté, regardez. Ça va pas. On va essayer de la réparer après. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Je suis pas plombier. On va essayer. Je sais pas si je vais y arriver. Avec un bout de ça. Peut-être que ça ira comme ça. Je sais pas. Ouais, ça coulera moins. Ça va gonfler ça. C'est con, regardez. C'est l'eau, ça l'a fait éclater, je pense. Ou on avait touché ça, on l'a enroulé par terre, je sais pas. Je pense pas. C'est l'eau qui a dû la faire éclater, oui. C'est dommage, hein. Oh, c'est con. Là, je vais perdre toute mon eau, je suis sûr que ça va couler. Cette nuit. Tant pis, on va laisser. On perdra pas 500 000 litres d'eau. Hein. On va faire ça, regardez. Maintenant, on s'en fout. On va y laisser comme ça, ça caille. On va rester dehors 6 ans. Ça caille trop.
On va mettre une petite goutte d'eau aux petites. Je vais vous montrer, du temps qu'on y est, une petite goutte d'eau aux petites salades. Regardez. Regarde ça. Un petit peu. Après, on les rentrera. Oh, elles sont belles, en tout cas. Elles poussent bien. Puis, il y en a un paquet, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, au moins plus de 50, hein? Il y en a plus de 50. Il y en a beaucoup, hein? Vous vous rendez compte? Il y a ce qu'il faut, hein? Pour manger de la salade, on pourrait dire, on a ce qu'il faut. Allez hop, je vais faire comme ça, je vais essayer de les arroser encore un peu. Hein. Puis après je les rentrerai un peu, je les mettrai sous. Je vais peut-être pas les rentrer, mais je vais les cacher en tout cas. Hein? On va les cacher, regardez, j'ai une boîte. J'ai celle-là, qu'on m'avait découpée. On m'avait fait du mauvais boulot. On s'en était servi, je dirais pas qui c'est. Une personne de l'ICI. Donc on va s'en servir, regardez. On va la mettre dedans, nous. On va se servir de, quand même, de cette petite boîte qui est abîmée. On va quand même s'en servir, vous allez voir. Ça pourra que nous aider. On va la couper là, nous, regardez. On va s'en servir. Ça a mal été coupé par la personne. C'est pas grave. Ça fait rien. Regardez. On va y couper, pas plus. Hein, comme ça. On va y couper là, ce qu'on pourra faire. Ça, c'est les affaires, sinon. C'est pas beau, je sais. C'est pas beau, je sais. Après, on fera un système de charnière. C'est pas beau, je sais. Mais on va y laisser comme ça, regardez. C'est un truc à pétrole, à cardane. On va y laisser. On va les mettre là-dedans. Voilà. On les met là-dedans, regardez. Comme ça, là-dessous. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est important de bien voir ce que je vais faire. Regardez. Ça, j'y mets là. Je le mets devant lui. Vous voyez, je peux même en mettre quelques-uns, ce qu'il va faire. Froid cette nuit. J'ai froid pour lui. J'ai froid pour lui, le pauvre vieux. Hein? On va le mettre un peu sur sa petite. Comme ça. Hein? Il va pas faire chaud cette nuit. Il a supporté de toute façon tout l'hiver. Hein? Mais ça, ça lui fait voyez, une espèce de contenance de pierre. On va plus le mettre là, regardez. Plus le mettre là, plus le mettre là. On va lui mettre son marbre. Parce qu'il va faire froid celui. Regardez, il a son marbre. Ça lui chauffe la gueule, le marbre. Il est bien comme ça. Hein? Il a pris un petit peu cher, s'il n'a pas été arrosé. Mais c'est pas grave. L'eau, ils sont là-dedans, regardez les salades. Regardez. Ça ne sent pas bien comme ça. Regarde ça. Allez. C'est pas grave. Hein.
Elles sont déjà bien protégées, c'est des salades, c'est costaud. C'est pas non plus un délicat. C'est pas une délicatesse non plus. C'est comme des salades laitues. Express, c'est comme solide la laitue. Regardez, je vous montre, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. C'est beau, hein? Tout le monde est bien. Ouais, elles avaient pris un peu froid tout à l'heure. Hein? Elles sont mieux. Elle avait pris un petit coup de froid, ma grosse aubergine d'abord, c'est dommage. Elle était moins belle, elle avait toutes ses feuilles fanées. J'ai eu peur, je lui ai dit mon père, elle est foutue. Elle est foutue, elle est foutue. Et puis finalement, regardez, elle s'est remise. Avec le coup de chaleur. Il fait une petite chaleur dedans, on est bien. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Elle doit être bien là-dedans. Ouh, on sent, c'est douillet. Il doit faire au moins 20. Facile. Et ben ça pousse, tout le monde pousse bien en tout cas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On va les fermer, on va les laisser encore, hein, il fait jour. Ne les fermons pas, laissons leur... ça faudra qu'ils lavent. Hein. Faut qu'elles puissent avoir de l'eau, hein. Ça, c'est trop sale, ça faudra qu'on les lave. J'espère que demain j'aurai encore un peu d'eau. Hein. Je suis pas sûr, ça va couler à mon avis. Faudra peut-être que j'en mette un peu là. Avec des radis, je vous montrerai demain des radis, des ça. Des navets que je vais replanter et tout. On va replanter des navets, hein. Il y en a trop. On va voir ce que ça fait, replanter. On peut tenter, c'est pas un truc qu'il faut faire, parce que si on fait de l'agriculture, hein, ils n'ont pas le temps de planter des navets, mais nous, comme on a le temps, on va le faire. Hein? Regardez, c'est l'étagère, elle avance bien. Je vais pas pouvoir vous la filmer parce que j'ai plus de piles. Dommage. Oh. Allez, à plus. Bye bye.